je suis arrivé à Zarzis. Je suis un peu refroidi là. Je pensais que c'était moderne et qu'il n'y a pas de panneau d'indication, c'est pas fléché, il faut tout découvrir par soi-même, il faut s'arrêter au rond-point, demander où se trouve la plage. Vous avez vu comme moi la vidéo de la petite corniche. Et je pensais que vraiment que Zarzis c'était mieux que ça quoi, mais en fait il n'y a rien ici, c'est la zone crépusculaire quoi, comme dit un de mes amis. Et bah, je sais pas, franchement je suis perdu. Hein. Je pensais pas que c'était aussi pas bien organisé du tout, il n'y a rien en fait. Bon ici je suis en dehors, un peu en dehors de la ville, à 2 km. Et donc bah, j'essaie de découvrir les beaux endroits mais il n'y a rien. J'ai demandé à un habitant dans le centre-ville et il m'a dit qu'il y avait juste la corniche, la plage, c'est tout. C'est vraiment rien du tout quoi. Bon, on est à 20 km de Djerba, je suis un peu abasourdi quoi. Trop bien quoi. Voilà. Vous voyez bien où nagent les gens ici. Je sais pas qu'il faut. C'est vraiment pas touristique. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font la commune, mais voilà quoi. Donc on est venu, enfin je suis venu, j'ai vu. Mais je ne reviendrai pas deux fois ici, quoi. En tout cas, si quelqu'un me parle de Zarzis, c'est fini pour moi. Il n'y a rien du tout ici. Je vais encore aller voir là-bas, un peu plus loin. Je vais me promener un peu et on va retourner à Djerba, quoi. Dommage.